Parce que tu es le créateur de toutes les choses. La Bible dit ceci. Tu es créé les cieux et la terre. Oui, tu es le créateur. Tu es le tout puissant Jésus. Père, la Bible dit, elle recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et elle agira. Seigneur, cet après-midi, nous consacrons ce culte entre tes saintes mains. Sois à l'écoute de nos supplications. En fait que nos âmes soient sauvées. Oui, tu es le sauveur. Car l'ange dit à Joseph, ta fiancée tombera enceinte. Elle affrontera un fils. Tu lui appelleras le nom de Jésus. Qui signifie sauver. Tu es là cet après-midi, Jésus. Pour nous sauver. Parle. On fait que les diables soient confondus. Je n'ai rendu toute la puissance. Toi, Satan et Satan, emballe tes valises. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Nous te laissons la place. Reine. Reine. Car la Bible dit ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Reine. Cet après-midi. Tu es le commencement et la fin. Nous te disons gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, le thème de cet après-midi est intitulé le mystère du droit de Dieu. Alléluia. Amen. Le mystère du droit de Dieu. Je n'ai pas dit de. Nalobite yaba. Du droit de Dieu. Nalobi yamosapi kaka oyanzambe. Alléluia. Amen. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est quelque chose qui était caché. C'est quelque chose qui était caché. Et Dieu l'a révélé à ses enfants. Ou à son peuple. C'est ça qu'on appelle le mystère. Alléluia. Même Dieu lui-même, il est mystérieux. La Bible dit ceci. Dans l'ancienne alliance, il était le Dieu qui s'est caché. Il descendait juste pour faire quelque chose. Même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le mystère du droit de Dieu. Lisons Exode chapitre 8 verset 12 à 15. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse. Dis à Aaron. Étends ta verge. Et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux. Dans tout le pays d'Égypte, ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et
na poussière ya mabele. Et elle fit changer en poussière les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en boue. Dans tous les pays d'Égypte, les magiciens implorèrent leur enchantement pour produire le poux. Mais ils ne purent pas. Le poux était sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il ne quitta point Moïse et Aaron. Selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez bien l'histoire de Moïse. La Bible déclare que Moïse était hébergé 40 ans chez Jéthro, son beau-père. Ce n'était pas pour épouser Séphora, sa femme. Non, ce n'était pas pour ça. Mais c'était pour la formation. Alléluia. 40 ans chez Jéthro. La Bible dit un jour Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Sur le montant de Horeb. La Bible dit que Moïse vit les buissons ardents. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? La Bible dit que Dieu l'a appelé au milieu du buisson ardent. Moïse, n'approche pas d'ici. Car le lieu que tu te tiens, c'est une terre sainte. Oh, tes souliers de tes pieds. Moïse cacha son visage. Car il craignait Dieu. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Là-bas en Égypte. Alléluia. Va libérer mon peuple en Égypte. Alléluia. Amen. Le sauveur. Libérateur. Moïse. Mose. En Égypte devant Pharaon. Namboka ya Égypte liboso ya mokonzi Pharaon. La Bible dit, Dieu dit à Moïse. Libelo bi nzamba lo bi epai na Mose. Dit à Aaron. Yebisa epai Arona. Aaron. Arona. Lève ta verge. Tombola linganga na yo. Frappe ta verge. Pebeta yango. La poussière changera en poux. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fit changer en poux. Alléluia. Bien, mais vous savez, Pharaon dit, Pharaon a alobi. Non, mais c'est pas possible. Alobi, mais comment ça l'a maté? Moi, si je me magicien. Alobi a, aujourd'hui, on a gardé nos armes magiciennes. Il peut le faire. Bangoupe, bangoupe, ça l'a maté. Comme toi. Dengue, yo posali. Alléluia. Amen. Pharaon appela ses magiciens. Pharaon a bien équipé ses magiciens. Pour produire les poux. La Bible dit, ils ne pirent pas. Ils ne pirent pas.
Hallelujah. Amen. Les magiciens de Pharaon disent à Pharaon, pendant Christ, il y a Pharaon, bah, il y a Pharaon. Non, ça c'est le droit de Dieu. Ce n'était pas Moïse qui a dit à Pharaon. Ce n'était pas Aaron qui a dit à Pharaon. Mais c'était ces magiciens. Ils ont confirmé le droit de Dieu. C'était juste pour diminuer Pharaon. C'était juste pour mépriser Pharaon. Pour lui dire que tu es un bébé devant moi. Tu es qu'un bébé devant moi. C'est magicieux. Il dit, c'est le droit de Dieu. Alléluia. Oh, ce n'était pas sa main. Ce n'était pas sa parole. Ce n'était pas la présence de Dieu bien-aimé. Comme la montagne. Ce n'était pas sa présence. Mais son doigt. Alléluia. Son doigt. Il a produit en Égypte. Et Salima Kamokati en Égypte. Il dit non. Alors, il dit, c'est le droit de Dieu. Et ça, on s'appuie en Zambé. Le droit de Dieu. On s'appuie en Zambé. Oh, Dieu le miracle. Zambé, dis-moi. Bien-aimé. Neko. Dans le droit de Dieu, il y a tout. Na mon s'appuie en Zambé, non, je suis allé. Il y a tout sauf de lui. Et ça, n'a nion sauf de l'autre côté, Zambé. La Bible dit un jour à Jésus. Il a prié pour un homme. Pour un homme qui avait un esprit démoniaque. Alors les pharisiens dirent, c'est par Belzéboul qu'il fait tous ces miracles. Alléluia. Lisons Luc chapitre 15, 11, verset 15. La Bible dit Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent.